Salutations à tous les fans de chez nous Magazine, le fidèle branché de la RTVH, partout où vous êtes en train de nous capter. Je vous signale que vous êtes en train de suivre chez nous Magazine, ce grand magazine chrétien qui a toujours été là pour vous ramener l'actualité de ce qui se passe un peu partout en ce qui concerne les activités chrétiennes. Ouvrons ce magazine, nous sommes à la Seka Kalembelembe et Sikanimi. Un grand service il y a 40 jours de GC Bandaki, thème Ezali, la délivrance contre le prison invisible. Mais tout à l'heure, je vous demanderai de suivre ensemble avec moi l'extrait d'un enseignement, c'était au culte du dimanche 26 février 2017, où les sous-thèmes développés étaient « Sort de l'église de Lazare ». C'est parti avec le pasteur François Mutombo. Luc, évangile selon Luc, chapitre 16e, tout au bas de 19, Luc. Luc 16, tout au bas verset 19e. Évangile de Luc, chapitre 16. À partir du verset 19. Est-ce qu'on sort comme sous-thème? Sort de l'église. Bima na lingomba ya Lazare. Tokei. Luc chapitre 16, à partir du verset 19, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Il y avait un homme riche. Et nana kina mubali moko muto ambongo. Loba nanu riche. Il y avait un homme, et il y a un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un bazalaka. Amen. Amen. Kola pambula mutumoko. Tout à l'heure, il y a dernièrement à New York, à Manhattan. Papa Martin, tout à l'heure, il y a Trump Tower. Hôtel Oyo, il y a Manhattan et à Trump, le nouveau président américain. Parce que les résidences à New York, les résidences à New York, ils peuvent être à l'hôtel. Ils ont un appartement. Hôtel Boy, aux autres, ils sont sous. Vitré n'a tout nié. Moutoise à païen. Incirconcis. Azubilo Kondegani. Bon, ce qui nous envoie à l'ol. Bisoto Samela. Aïe. N'a tout nié. Tout échoué pour l'année. Échoué pour nani. Namukilo yo échoué. Tangale ma parole de Dieu. Il y avait un homme, Batu Abouzi Bazalaka. Peu Bible doit reconnaître Batu Abouzi Namukili Bazalaka. Des hommes riches, des femmes. Tanga Bible. Il y avait un homme riche. Et d'ailleurs, Namutu Mokwa Mbongo, s'il vous plaît. Comme moi, papa, il y a Bible et comme amité. Amen. Alléluia. Alléluia. Sauf seulement adjectif ya. Nous sommes de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs. Après cet élément, il y a extrait enseignement sous thème Ezala qui sortir de l'église de Lazare. Je crois que vous avez à comprendre que être un vrai chrétien est l'inka koloa pété que misère tonini. Être un vrai chrétien, c'est aussi aspirer à des grandes choses, comme l'a démontré l'homme de Dieu. Je crois que cet enseignement, cet extrait, vous a donné l'envie de participer à ces grands services. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un service de 40 jours. Mais pour n'avoir plus de détails en ce qui concerne le programme et la procédure de ces grands services, nous passons directement à notre toute première rubrique du magazine Otobengi, l'église Aseka Kalembelembe et ses activités.
Aseka Kalembelembe et ses activités, c'est la rubrique qui nous donne plus de précision en ce qui concerne le programme détaillé de l'église Aseka Kalembelembe. Et sans plus tarder, Tozo Kende Kolanda tranche le verset de la semaine. Et si Kani Papa Zopé sa programme nyon sur les services, comment Ezaliko évolue. Ensemble, suivons et retrouvons-nous juste un peu pour continuer. Na pesimbote na bande unyonso ba solande biso na Kinshasa Brazzaville et ses environs ezala bande ya poto tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre et ceux qui nous suivent pour le moment dans cette tranche de l'émission le verset de la semaine. Le verset de la semaine qui est une émission de la CK Kalembelembe produite par le pasteur François Mutombo. Voici l'homme. Et la base à l'émission, le verset de la semaine, a pour but nous fixer, nous informer, nous donner l'idée sur le travail, l'idée générale du travail qui sera fait tout au long de la semaine. Raison pour laquelle l'émission elle est tournée tous les dimanches. Comme aujourd'hui, nous sommes dimanche 26 février 2017. Le verset de la semaine, Luc. Chapitre 16, à partir du 19e verset. Luc 16, à partir du verset 19, qu'on a tombé dans la Bible, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait heureuse et brillante vie. Et il y avait aussi un homme, un pauvre, nommé Lazare, qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères, qui désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table de l'homme riche, et même les chiens venaient lécher ses plaies. Comment pour dire quoi? Ici, nous parlons du manche à l'élo, thème en abusant qui sort de l'église de Lazare. Sépare-toi de l'église de Lazare. L'église de Lazare, c'est quoi? Lazare, enfant de Dieu. Lazare est un homme racheté, mais qui couchait à la porte de l'homme riche, qui vivait derrière, à la porte. Pour y aller, il faut me riche, aller dans la messe à quoi il s'est passé. Je dois sortir de cette église. Je ne dois pas être de ces chrétiens-là qui ne font pas pagan, ne pas lier, ne pas lier. Et pourtant, la Bible dit l'argent appartient à notre Dieu. C'est-à-dire que Lazare a désiré à ton de la miette. Donc, jamais il y a 100 000 ans à la messe. Jamais il y a 100 000 ans à la moutoumoune n'été. Pour ne pas y aller, il y a des gens qui ont jamais. Raison pour laquelle, quand même, il est sauvé. Il est dans l'eau. Mais dans l'eau, tout le monde est homme riche. Il y a Père Lazare, Tinda Abraham. Père Abraham, Tinda Lazare. Il y a Tinda l'eau. Il y a pas Abraham. Pour ne pas y aller, il n'y a rien. Bien de mots, chrétien passe. Chrétien, il y a 5 ans à la moutoumoune n'été. Chrétien, il y a la vie que tu as. Comme le pauvre Lazare. Mais moi, je ne suis pas le pauvre Lazare. Moi, je ne suis pas de l'église du pauvre Lazare. Parce que ce qui est dans Genèse 13, verset 2, la Bible dit, Abraham était très riche en or. Abraham était très riche en troupeaux et en argent. Abraham, il est un chrétien riche en or. Chrétien riche, la biloko, mais Lazare pauvre. Et talaba tombe le livre au Ménalol. Lazare a fangi dans les seins d'Abraham. Qui dit seins d'Abraham dit la demeure d'Abraham. Lazare ne fangi pas Abraham. Peu bâti n'agaye. Nalol, à côté l'on le sans richesse, à côté l'on le sans provision, sans réserve, sans. Tu as épargné te. Pour ne nîn, n'a mouki Lazare in angoute. Chrétien a balaté, tout le monde moi n'a Lazare te. Pour ne nîn. Alala ana mes na porte ali abamiet ti vina yemo mpele tsangu bongo koleka na mukila wina persite kodal chrétien ya ou dépendre ana ba paganote tout ce que les païens ont isaya nzambo ya biso o lié biso to pesa bango to ba sale pa na biso to mo le olanda bango na si non sort de l'église de Lazare. C'est pourquoi cette semaine vraiment musale fote ba prière. Il y a une malédiction, il y a pauvreté, la médiocrité. L'église à Lazare, vision à Lazare, il faut un bima. Là, il faut une église à Père Abraham.
Abraham était très riche en or. Abraham était très riche en argent. Très riche en troupeau. Voilà l'église où il faut l'assemblée. Voilà la vision où il faut adhérer. Parce que c'est ce cas-là. Ce que nous avons dit, il y a des richesses. Parce que, par exemple, un pasteur qui prêchait sur notre chaîne RTVH, il y a un Il y a un peu de temps. La pauvreté au tino dérobé. C'est pourquoi David a dit que comme c'est la pauvreté de père qui n'a cause. Combien vivent dans la compromission? Combien de filles ne vont se prostituer? Ami battre les tins en basse salité, jusqu'à ce qu'on a obsédé. Église de Lazare. Sors de l'église de Lazare. Je crois que les Moussalat ont une semaine dans le grand thème délivrance des prisons invisibles. Alors, dans la prison de la malédiction. Dans la malédiction à Lazare. Azobique via passe, via pauvreté, via souffrance. Dinalo là-bas au Tindaye. Sors de l'église de Lazare. Wanezali vraiment. Verset Nabsu Alelo. Adresse Ezali Semoko Avenue. Kalembelembe numéro 72. Dans la commune de Kinshasa. Kalembelembe 72. Dans la commune de Kinshasa. Moussikate. Na maison communale de Kinshasa. Kalembelembe 72. Croisement. Kalembelembe plateau. Bande Obazo Tabanda, Mbinza, Kitambo, Okumina Rompon Willeri, Zoa Veni Kabamba, Katsa, Prince Kasavu, Bulekali, Bosa Mezo Menala Kinshasa, Oleki, Tsoleki Mezo Menala Kinshasa, Oleki, Aveni Mukatsi Kabamba, Yami Bale, Yami Sato, Ezali, Plateau, Kurazama Kalimbe, Plateau, Sir Kabamba, non loin de la Mezo Menala Kinshasa, à votre gauche, Okumana le grand temple métallique de la Seka Kalimbele, Otichango, Victoire Kasavu, Bokasa, couramment Bokasa Kabamba, la station totale, Tona Aseka Kalembelembe, Zeska Ubungate, Edel Utibarumbu, Marché Kabamba, couramment Kabamba, Bokasa, Tona, on n'est pas loin, Utiville, Ozo Ita Mezo, Menala Inchesa, Utiville Kita Plateau, Koma, Nanivoya, Plateau, Kalembelembe, Okuta, Biso, Tozawana, programme de la culte Zali, tous les jours, de lundi à vendredi, de 10h à 12h, de 16h30 à 20h30, de lundi à vendredi, et excepté mardi et jeudi, à part culte à Tongue, de 10h à 12h, Nayapoko, de 16h30 à 20h30, tout ça, c'est un programme sous mardi et jeudi, inséré entre les deux cultes, de 12h30 à 15h30, mardi et jeudi, prière à délivrance, suivi des cas difficiles, des cas de stérilité, il y a maladie. Blocage chaque mardi et jeudi entre 12h30 et 15h30 après culte à Tongo et avant culte à Poko. Et samedi, programme spécial pour tous les couples stériles, pour tous ceux qui vivent des faiblesses sexuelles, tous ceux qui ont des problèmes de mari, femme de nuit. Chaque 16h samedi, dans le niveau du premier balcon, tout en prière à délivrance pour tous les cas, il n'y a pas de couple stérile chaque samedi. Dimanche, on a 3 cultes. Premier culte de 8h à 12h, culte d'adoration, culte d'enseignement, 12h30 à 14h30, culte francophone, là tout se passe en français. Et troisième culte de 16h30 à 20h30, culte de combat, tous les dimanches. Comme ça n'était que semaine, nous en avons veillé de lundi à vendredi, à samedi matin, puisque nous en avons service à 40 jours, délivrance des prisons invisibles. Veillez à l'Iboutounios et qu'au beau sanaté, disponible la semaine, toute la journée, on prend que le liquide vient de l'eau, vient du jus seulement, sans rien mâcher. Après 20h30, Tina Lipa. Toute la semaine et dimanche, tu fais ce programme à Sika. Kola Pamboulabino. De retour sur ces plateaux, après cette tranche, le verset de la semaine, je crois que vous avez bien noté tout le programme de la Seka Kalembelembe, comment nous sommes en train d'évoluer. Yo pomtozo landa biso, n'hésite pas de nous rejoindre à notre adresse utile
Nous sommes sur l'avenue Kalembelembe numéro 72 dans la commune de Kinshasa, na grand temple Aseka Kalembelembe nde esikani ni matea ezo pesama en profondeur ba prière ba service tout au papa aussi ko détailler au kokuta yango wana pe accueil na biso ekosepelisa pe o makasi pe service oyo j'espère que ko sunga yo c'est un grand service de délivrance contre toutes les prisons invisibles yaka osambela olanda matea to buka ba prison nyonso ekanga ba vie na biso quel que soit le domaine yaka vraiment chez nous ala seka kalembelembe j'espère que okozonga vraiment pas déçu. Continuons notre magazine et cette fois-ci nous entamons directement la deuxième rubrique o epesa kabiso la bonne humeur o epesa kabiso la belle ambiance. C'est déjà l'ambiance de chez nous. Nous sommes déjà dans notre rubrique l'ambiance de chez nous et je vous pose la question de savoir si vous êtes déjà prêts à danser parce que tout à l'heure nous allons décoller avec le frère Billy Bilomba ainsi que tous les groupes Colonne de Feu et c'était à l'esplanade de la télé Congo kuna na ngambu ya Brazzaville et si kanini bana nyonso Brazzaville babina ki na rythme ya ngoma c'est-à-dire mbonda 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 c'est parti et retrouvons-nous tout juste après. Salaboy 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 Tembe ya bambo esilie, Yesu akotili kambo na yo. Tembe ya bambo esilie, Yesu akotili kambo na yo. Tembe ya mvula ya lelo esilie, Yesu akawusi mvule. Tembe ya mvula esilie, Yesu akoti makambo ango. Ah, ay tembe silie, Yesu akoti makambo angaye. Tembe silie, bala Yesu alongiye. Tembe ya kofutela esilie, Yesu akoti makambo ango. Tembe silie, c'est vrai. Bala Yesu alongiye. Tembe ya kiekomba esilie, Yesu apesi bana. Tembe silie, bala Yesu alongiye. Tembe ya bobola esilie, Yesu apesi mbongwe. Tembe ya minyoko esilie, Yesu apesi nyoso. Tembe yo yo, Yesu alongiye. Tembe ya bademo esilie, Yesu akoti makambo na ngaye. Tembe esilie, bola Yesu alongiye. Betele Yesu malolo, go 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 go. Asali ka butu yo asala boy asala boy asala boy asala boy 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 atiki tiki tiki vina 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 boy 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 yekele kele zambalole zambalola asale linga likambwasike yekele kele zambalole Zambalole, asaleli nga likambasika. Denge tozo yeba, asaleli nga likambasika na poko lelo. Yekele kele, zamba charle, zamba voici l'homme, asaleli nga likambasike. Yekele kele, zambalole, papaye. Apesi mom, apesi ban, apesi mapam, apesi nyoso, zamba voici l'homme, asale linga likambwasike. Yekele kele, zamba lole, zamba lole, yoga yoga, asale linga likambwasike. Landa lokolo, landa lokolo, landa lokolo, landa lokolo. Betele Yesu bololo, betele Yesu bololo. Yekele kele, ay mambu wanye. Ay mambu ay, bungeze la bualu buvye buvye. Yekele kele, sambi wanye. Papa ye. Sambi wanye.
apesi mbongo, apesi nyoso, zamba yo, zamba François Mutombo, asale linga likambo asike. Nous sommes de retour sur ces plateaux après la belle ambiance qui avait régné. Là, c'était du côté de Brazzaville, à l'esplanade de la télé Congo. Je profite aussi de l'occasion pour na copé sa mbote na bande cognon sonangambo Brazzaville. Bananyo, c'est Asekan Kombo. Là, je vois aussi la sœur Jojo. Sœur Jojo, c'est une de fans, des grands fans. Il y a chez nous magazine et Sika Pazali. Topé sur ma gros bisou. Nous avons dansé au rythme. Il y a colonne de feu avec le frère Billy Bilomba. Nalobakakaka, l'ambiance de chez nous. Ezalaka pona kobina, pona kobina tema. Chaque fois, biso to binaka. Ezalaka pona kozongisa. Kembo pe lokumu epaya oya vandi na ngwende na epo na seko c'est Dieu là qui nous accorde sa grâce du jour au jour et qui nous donne le souffle de vie. Quoi de plus important pour nous tobine la epe pokombo na epe et matali susu tozali ko continue toujours avec notre magazine et cette fois-ci tozo ki ne kozwa déjà rubrique ya suka o tobengi les échos d'ailleurs. Nous sommes déjà dans notre toute dernière rubrique du magazine et cette fois-ci, Tozali Kobanda,
na église SM et pas ya pasteur Simon Pierre et Sikanini pe un programme très spécial les alli organisé et ensemble suivant les il était au micro de chez nous magazine pour plus de détails. Comme nangai Simon Pierre Mbaya Nazali pasteur responsable il y a église Oyo SM limité la communauté mais Oyo Zali SM ya limité ça na bokamba minangai ngani na pasteur. OK, programme église logo la ndako na Zambe tout ça na programme ya prière tout ça ma programme belé mais d'abord programme ya horaire. Il y a un culte na biso. Les lois ali culte d'adoration ndenge boti komona. Et ça rappelle ceux qui tous en baya et zo rappelle le nsusu. Tant na séminaire mais d'habitude les ali culte d'adoration dimanche. Lundi to sambela kate. Mardi to sana culte d'enseignement. Mercredi to sana culte d'enseignement. Jeudi ndenga na yambaka. Nous avons peine à consultation prophétique, nous avons peine à réunion à ma maman à Tongo, et puis à Boutou, nous avons peine à réunion à ma papa. Alors vendredi, nous avons un culte d'enseignement, samedi, nous allons journée à jeunesse, dimanche, culte d'adoration. Mais ceux qui nous avons un séminaire, ou bien nous avons une recommandation dans Zambé, nous avons une semaine Mobimba. Prédication à l'élo, nous allons continuité. Et ça, suite, il y a thème où il y a mon père en abisso, Toyambaki. D'abord, j'étais voté au solo en aïe, parce que Jérémy, à Oti, Afrique du Sud, à Tamboli, na thème, Toyambi, il est en train de parler sur la marche de l'église vers l'enlèvement. Donc, ça n'a qu'à dire qu'on continue. Où ils allaient suite, les lois attendent le troisième point. Il y a trois points, il y a marche. Il y a l'église vers l'enlèvement. Je crois que après ce nouveau détail, allons continuer. Ti a aussi sa dimanche au Ezo Yaliboso. Oui, ceux qui m'ont parlé, ils m'ont contacté. Ngai, pour nati na nayango, nazana ba numéro. Bon, nazana musela zambe, nazana ba numéro presque nyos. N'invitation n'a pas pris sango. Avec votre permission, ouais. Bah, on va zana réseau ya RTL. Je suis en 99 99 33 560. Voilà. L'adresse de l'église Tozali, pour n'a t'a copé sa adresse bien bien, Tozali, Sima Yafikin, na complexe sino-congolais. Donc, ce qui est là qui magasin ba chinois, si ko y'a commis côté Oyo, ba t'oiseau exposé ba ma baya, et puis conteneur moko associat moko zali wana la police, juste ce qui est le qui deuxième porte, ou allongé en gros, comme na souka clôture, ba la bala ya Sima wana. Voilà, tout ça, presque ma voisin, na résidence, il y a pasteur Amos Mbayo. Na résidence, il y a un endroit où on est battu, il y a un endroit où on est battu, église place Ezali, tout ça, ma voisin, il y a résidence, il y a pasteur Amos Mbayo. En tout cas, tout ça, bileko, oyo, église, a bengami, na ko tambola, pour être na ko netonama. Tout ça, bileko, distraction, te. Tous abileko ya que conquête ya solo si bana na Zambe toki ko conquérir ba domaine belé mais c'est na domaine moko o mutoki ko lupete. Bible lobi que sert-il à un homme de gagner tout s'il perdait son âme. Âme na biso tozo batelango pour na tena na enlèvement. Tous na bileko oyo l'église est appelée à commencer une bonne marche pour l'enlèvement parce que église souka na yango ezali enlèvement. Ce qui est fidèle dans l'église, honnête, c'est que vous allez vous saler à Pamba.
nazo benga ba fidèle nyonso partout biske bazali ba fongola miso église et ses côtés na marche pour na tena connaître la ma ba longa la distraction voilà. Nous sommes de retour sur ce plateau. Après cet élément, il y a Pasteur Simon Pierre Kounana Lemba. Vous avez compris. Programme Oyazali na yango pe ba détail nyonso apesi vraiment bana nyonso ya Lemba et les environs. N'hésitez pas de faire un tour à l'église SM. Continuons toujours et cette fois-ci toujours à direction Gombe. Na Aseka Gombe chez le pasteur Willy et Sikani Nipe. Un grand service Ezali. Thème Ezali, l'influence du diable. Pour plus de détails aussi concernant ce service et le programme suivant, le pasteur Willy, c'était toujours au micro de Chez Nous Magazine. Le pasteur Willy Mbuyamba, Nazali, pasteur responsable de Aseka Gombe. Tozali, un programme très spécial. Oyo tolingi te bana na nzambe nyonso bakoka kolanda pe baya ko participer na biso na kati na service oyo tozana yango tozolo bela likolo na grand thème ezolo ba ke la victoire sur le combat permanent. Alors nous sommes en train de montrer aux enfants de Dieu que notre vie ici bas sur terre est à vie à combat, est à vie à bitumba. Tozana ba différents camps, ya ba démons, ba association oyo tozo bunda na bango parfois oyo yebite. Mais dans le maloba tozo fongola na Bible tozali na komona que ezana catégorie na catégorie abao bazo bundisa biso okoko longa catégorie catégorie musu etremelio. C'est pour cela biso zolanda biso na zo bondelo na komona Yesu Kristo que o participe na katikati na musala o tozali na musala e bandi depuis semaine ya le 2 tozana kati ya ko continuer. Le Seigneur nous amène tozo si ça va faire un mois, deux mois, nous continuons avec ces services. Tout l'ingé que influence nous sur les démons, la vie à moi dans Nzambe et longue. Parce que aussi longtemps que vous êtes déjà moi dans Nzambe, il faut que Nzambe ou Ebozo porte ses semences naie. Semences sont influencées vie na bino. C'est pour cela. Et belé bazana katikati ya ko vivre influence ya mouli mabe, influence ya ennemi na bango. C'est pour cela que nous avons besoin que Oya ou participe na katikati ya musalo. Ba forte prière ya combat Ezali, ba guérison ezana katikati ya ko salema et les vies sont en train de se transformer, de s'améliorer. C'est pour cela que tous ces gens qui ont besoin de vous, vous êtes malades, vous avez un problème au bout de la tête, vous avez un problème ya musala, vous avez besoin à changer, à améliorer les conditions de vie aux Anayango. Et pour nous, vous avez besoin de vous aller à l'avenue Montabor numéro 43, vous avez juste un croisement ya au commandement, avenue au commandement, na rail. Alors, vous avez juste un peu na sima ya Al de la Gombe. Okozobiso na singato na téléphone 00243 84 430 2049. Eza numéro na biso ya contact. Soki ozwi biso wana te okozobiso pe na 00243 81 240 40 95. Nous sommes de retour sur ce plateau. Après cet élément, il y a Pasteur Willy Mbuyamba, notre cher papa, à qui nous saluons aussi en passant, ainsi que Bananyo Soya Aseka Gombe. Vraiment, Bolandi, programme Oya Pesi, le porte de l'Aseka Gombe sont ouvertes, topé. Ezo Zelakaka, Yon de Kolandi Biso, Obetape Tourkuna, je crois que le Dieu de l'Aseka a co-décevoir yo jamais. Cette fois-ci, nous prenons la direction Mungafula. Là, nous sommes à l'église Aseka Mungafula, chez l'évêque Dodé Luboya et Sikani Nipe. Grand séminaire, ils avaient organisé. C'est un service qui avait commencé depuis et évolué. Pe clôture Nango, ils allaient déjà prévu pour ce dimanche 5 mars. Et qu'on a toujours Kunana Aseka Mungafula. Thème, ils allaient Jésus-Christ, ma solution. Pour plus de détails, suivant l'évêque Dodé Luboya, c'était toujours au micro de Chez Nous Magazine. Et retrouvons-nous juste après. Salam à Kolobeke Bandaki depuis le 1er février. Tozo Kenanango clôture le 5 mars.
ezali campagne de prière, thème ezali retenu pour la édition ezali que Jésus-Christ est la solution. C'est ça. Clôture et la d'habitude. Bon, je dois commencer par dire que ezamu sale salamaka chaque année au salakayango et par moment tokende ke libanda ya église. Comme année passée, peut-être que les libanda église, tous ceux qui n'ont salle polyvalente, il y a Sainte Rita, côté ya cité Pumbu, côté ya cité verte. Alors pour na bané mususu peut-être que les na terrain municipal ya Mongafula, oyo babenga ka terrain Tumba. Mais cette fois-ci, tolobi clôturer salle monsieur place l'église, de tous que les libanda église, c'est pour salle monsieur place l'église. Clôture les après-midi, un dimanche, les après-midi de 15h à 20h. À ce cas, Mongafula et Zouami, na croisement, y a venu Matadi, na venu bypass, na niveau, y a arrêt de bus Habitat. Les alliés, c'est qu'à arrêt de bus Habitat, et l'andain na arrêt Liolo. Donc, nous avons eu à côté de Mongafula et Biarré de Bissabita, l'église de Zelina, Balabal et Amnène, autre messana Kobenga Prince. Donc, même dans la collègue, l'église de Zelina visible, la mission de nous. D'ici Tokomakuna, le programme à culte de Zelina chaque jour ouvrable, sauf samedi, chaque soir, de 16h30 à 20h, culte Zotoka, mais à l'exception, il y a. Mercredi, na vendredi, tous à la culte, il y a moi de 10h à 13h30. Dimanche, des cultes à la de 8h à 12h et de 16h à 20h. Numéro, il y a contact, ezali très simple, ezali 099 99 43 560, 099 99 43 560. Ou alors 081-814-97-90, 081-814-97-90. Numéro Anemi Balé, c'est à la disposition, il y a Ban Nanzambe, ou Balingo Benga Bisso, pour diverses raisons, Bazo Moya Benga Bisso. Le 5 mars, Ezali clôture ya Moussala, au Tuzana Yango, Bible Lobi, que Souka ya Likambu, Eleki et Bandel Nayango. Donc, nous insistons que nous avons besoin de nous faire des choses. Nous avons parfois tenté de nous faire des choses. Nous avons besoin de nous profiter même de la clôture. Et nous avons le 5 mars, je répète, sur place, à la Seka Mongafula, où nous avons mis le niveau de l'arrêt de bus Habitat, croisement, il y a bypass dans l'avenue Matadi, dans la commune de Mongafula, dimanche de 15h. À 20h, dimanche le 5 mars. Donc, il y a des choses qui sont là, même si on a dit que les gens ont sauté, ils ont été mis en profiter de la clôture, de la pamboli, de la souka, et de la paix pour la tina. Voilà. Nous sommes de retour sur ce plateau après cet élément. Il y a avec Dodé Lubo, il y a à comprendre que Bananyo soit Kinshasa. Bo bengami na clôture ya service o ekozala kuna na aseka Mongafula dimanche le 5 mars à partir ya 14h bisonyo sotokutani kuna pour clôturer avec l'évêque Dodé Luboya na service o ezalaki organisé. Cette fois-ci tozozo à direction commune de Kinshasa, nous sommes à l'église Aseka Kinshasa chez le pasteur Honoré Esikanini pe programme moko spécial ezali organisé au plus vite aux okene kolanda loto. C'est le pasteur Honoré Kalonji qui donne plus de détails concernant ce programme. Suivons-les et retrouvons-nous juste après. Je suis pasteur à la tête de Aseka Kinshasa, situé dans la commune de Kinshasa, au croisement des avenues Kassavougou et Lac Moreau, dans l'enceinte du centre foyer social pour handicapés, hein, foyer social tout court,
à côté du stade où l'on joue au volleyball. Voilà. Je bénis l'Éternel pour l'occasion et la grâce qu'il nous a faite aujourd'hui. Le thème que nous développons depuis le début de cette année est un thème important. Il concerne la croissance de l'homme tout court, selon la Bible et selon le père de l'économie. Parce que, comme vous le savez, ma soeur, la volonté de Dieu est que l'homme connaisse un développement harmonieux, qu'il voit sa vie avancer de jour en jour. La Bible dit que il eut un soir, il eut un matin. Il ne faudra pas que l'homme qui a été créé reste statique. Le matin passe, le soir passe, les années passent et l'homme reste toujours le même. S'il était derrière les autres, c'est-à-dire derrière les autres hommes, il est toujours derrière les autres hommes 10 ans après. Non. Qu'est-ce que Dieu veut ? Que nous prospérions, que nous soyons en bonne santé et que nous prospérions comme prospère l'état de notre âme. Tu veux me joindre? Je peux prier avec toi au travers de ce canal ou au travers de AirTap. Tu peux m'appeler au 085 15 26 440. Où tu peux, je t'invite à nous rejoindre, parce que chaque jour, nous luttons, comme Paul le dit. Pour la croissance, tu dois lutter. Nous allons lutter contre qui? Pas contre ton oncle maternel, non. Pas contre ton père qui t'a vendu dans le pétiche, non. Mais nous allons lutter contre toute puissance évoquée par... qui fonctionne au travers de ce fétiche-là. Tu peux nous rejoindre. Je donne le programme. Tu peux nous rejoindre chaque mardi de 17h à 20h. Chaque jeudi de 17h à 20h. Et chaque vendredi de 5h, de 20h jusqu'à 5h du matin. Les prophètes sont là comme... dans chaque assemblée de ACK, la garnison de prophètes, ils vont parler avec toi, ils vont découvrir certaines choses par la grâce que Dieu a placée en eux, et nous allons t'accompagner jusqu'au moment où tu vas récupérer tout ce que le voleur avait volé, jusqu'au moment où tu vas expérimenter la croissance durable à tous égards. Nous sommes de retour sur ce plateau. Après cet élément, il y a Pasteur Honoré Kalonji. Vous avez compris quel est le service qui est organisé à l'église ACK Kinshasa sur l'avenue Lac Mwero numéro 105, en référence à Zali, croisement des avenues Kasavubu et Lac Mwero. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce grand magazine. Non, je remercie déjà l'équipe technique qui a travaillé avec moi aujourd'hui, chapeautée par Léon Billy qui a réalisé. Derrière la caméra, c'était le frère Jacob. Et à côté, il s'est fait assister par le frère Francis Kolobayo. Et à côté de frère Francis, je vois également la sœur Nana Masanka. C'était là l'équipe haute au travail qui n'a bango magazine. Oyopona Bolandango, vraiment. Nous vous disons merci aussi pour votre fidélité et la confiance que vous continuez à témoigner à cette équipe de chez nous magazine. Comme je l'ai toujours dit, sans vous, mais les bisous tout existent. Vraiment, grand merci à ma fan soit chez nous magazine, que ce soit sur Internet, au Balandaka Internet, au Balandaka Bisous ici sur place à Kinshasa, Nangambouya Brazzaville. Grand merci
pour votre confiance ainsi que votre soutien. Olandi chez nous magazine, aujourd'hui lundi, n'oublie pas que la rediffusion c'est aussi le mercredi à partir de 14h ainsi que le vendredi à partir de 22h30. Je vous dis merci et vous donne rendez-vous déjà pour la semaine prochaine. Bye.